Merci d'accueillir sur scène le software engineer and CEO de JustACall.io, Clément Sauvage, et le fondateur de We Love Devs, Damien Cavaliès. Bonjour à tous. Bonjour. Ce que vous voyez derrière moi, c'est mon jardin. Mon jardin, il est cool. Parce que l'été, quand il fait chaud, j'ai juste à ouvrir les fenêtres. Je me pose avec mon laptop sur un banc derrière et je code. Je suis tech. Et ça, c'est ma trottinette. Ma trottinette, elle est fantastique. Elle est fantastique parce qu'elle supporte les gros, d'une part. Et d'autre part, parce que ça, c'est mon lieu de travail. Mon lieu de travail, c'est Eura Technologies. On aura largement le temps d'en reparler. Pourquoi est-ce que je vous montre ces trois éléments? Parce que de mon jardin à mon bureau, avec ma trottinette, j'en suis à 10 minutes. Et ça, c'est mon chien, qui est super content d'avoir un jardin de 25 mètres carrés juste au bout de mon salon. J'ai la chance de pouvoir aller au bureau en 10 minutes à vélo électrique. Je peux faire tous mes rendez-vous en une trentaine de minutes sur la ville. Le bureau, c'est ça. C'est juste en face du bureau de Clément. On est une dizaine de salariés, ça s'appelle welovedevs.com. Et on a plus de 500 clients qu'on a pu aller chercher tous depuis ce bureau-là à Lille. Et on est content. On est content d'abord d'être ici sur scène. Merci Madinès pour l'opportunité de parler des régions. Et on est aussi content. On est content parce que le matin, on peut prendre notre chicorée, alors avec du maroilles pour les ch'tis. Moi, je suis lorrain, donc je préfère le pâté en ce qui me concerne. On n'est pas obligé de se fondre dans la masse. Les gens sont souriants à Lille. Les commerçants disent « s'il vous plaît » quand ils rendent la monnaie. C'est très perturbant au début. Ensuite, on n'est pas obligé de prendre le périph' pour faire des bouchons. On n'est pas obligé de... Je ne me rappelle plus de la suite. Allez, on passe une bonne journée. 70 mètres carrés pour 10. On est plutôt confortable, on est plutôt joyeux, plutôt de bonne humeur. Et à la fin, on est content. Et à la fin, on est très content. On a passé une super journée. On n'est pas obligé de se taper des quais bondés du métro parisien. Et aussi, surtout, on rejoint le centre-ville très, très vite. On rejoint le centre-ville, pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que dans leur Pas-de-Calais, on a un plat qui est orange, gras et délicieux. Ça s'appelle le Welsh. Et tout ça, on le fait avec simplement 2 billets de 10. Ce qui, à Paris, est absolument impossible. Tout ça, c'est possible parce que, comme je viens de le dire, on n'habite pas Paris. On n'habite même pas l'Île-de-France. On habite un petit peu plus au nord, dans le nord Pas-de-Calais, où il fait glacial, dans la merveilleuse ville de Lille, une charmante bourgade que je vous invite à visiter, qui fait environ 225 000 âmes. Je vais vous demander d'essayer, maintenant que j'ai planté le décor, de prendre un peu de recul, ou plutôt de vous projeter dans le futur, de vous le projeter dans le futur en 2030. Je vais vous demander d'essayer d'imaginer que l'on soit à Berg, d'où le titre Bienvenue chez les Ch'tis, c'est là où j'ai grandi pendant 20 ans, que l'on soit à Nantes, que l'on soit à Aix, que l'on soit à Riquewihr, que l'on soit à Montcuq, que l'on soit à Villeurbanne, que l'on soit à Montceau-les-Mines, que l'on soit à Brest, à Paris, ou bien partout ailleurs. Imaginez qu'on ait accès à des clients en 2030. Imaginez qu'on ait accès à des capitaux. Imaginez qu'on ait accès aux meilleurs recrues. Et enfin, qu'on ait accès, qu'on soit sur des territoires qui sont accueillants. Et bien dans ces cas-là, partout, dans les villes, dans les campagnes, on pourrait venir voir émerger deux magnifiques licornes. Et ça, je vous le donne en mille, c'est pas en 2030, c'est maintenant, en 2020. Et on va commencer notre exposé avec les meilleurs clients. Du coup, vous avez suivi, il y a un plan en 4 étapes. Le premier, c'est les clients. Je vais vous expliquer en quoi c'est chouette d'aller chercher les clients depuis la région. Ça, c'est la carte des utilisateurs, des entreprises qui recrutent sur welovedevs.com. On est allé chercher toutes ces entreprises sans forcément bouger de chez nous. De temps en temps, je vais à Paris, je vais même souvent à Paris, mais ce n'est pas plus le sujet que ça. Ça nous a permis, en fait, donc, pour vous expliquer ce qu'on vend concrètement, c'est un site d'annonce, c'est un site de recrutement pour recruter des développeurs. Nos clients, ils posent des annonces, ils utilisent le vivier, ils rencontrent des candidats, ils recrutent des candidats, ils sont contents. Est-ce que c'est cool? C'est interactif, les gens. Ok, cool. Merci. On est allé chercher tous ces gens-là grâce à Internet. On a eu tout de suite des clients en Suisse, à Genève, à Lausanne. On a eu des clients à Londres, on a eu des clients partout. Parce que la distance entre nous et les clients, elle reste la même. Ça reste Internet, ça reste un call, ça reste un Skype.
On avait forcément eu beaucoup de clients français, mais on a pu aller les chercher. Et aujourd'hui, pour recruter un développeur, on est le support qui est vraiment présent en région. On est le seul qui a 50% de ses clients et de ses candidats en dehors de Paris. Et ça, même nos clients parisiens le recherchent parce qu'effectivement, ils ont des centres qui sont à Nantes, qui sont à Lille, qui sont à Toulouse. Et c'est vraiment un différenciant pour nous. Ça nous a permis de nous développer. Hop. Le deuxième sujet, c'est qu'en fait, ça, c'est pas nouveau du tout. En fait, Internet, ça existe depuis vraiment longtemps maintenant. On est installé. Moi, ça existait déjà quand je suis né. Peut-être pas, mais ça existait déjà il y a longtemps. Et j'ai envie de vous parler de l'Amérique du Sud, par exemple. Est-ce que vous avez déjà acheté un nom de domaine en .co? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont oublié que le .co, c'était le .colombie à la base. Un entrepreneur colombien a décidé de le racheter et de faire une affiliation avec le gouvernement et d'en faire un business international. Medellin, c'est en Colombie et c'est la scène start-up la plus vibrante d'Amérique du Sud. Parce que les entrepreneurs en Colombie, ils sont pas comme les entrepreneurs en Belgique. Ils se disent, bah, nous, on est une petite ville, on a un petit marché, on va pas faire des business internationaux. Ils savent que même dans la jungle, on peut faire un business qui livre jusqu'à Miami, jusqu'en Chine, partout dans le monde. Et le ça, c'est cool. Global. Le marché est global. Le marché est global. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est les méthodes commerciales. Donc ça, c'est ma collègue qui a consenti vaguement à être là. Avant, elle bossait dans l'industrie, donc elle vendait des gros convoyeurs. Elle faisait jusqu'à 7 à 8 heures de route pour faire un rendez-vous commercial. Il fallait sûrement faire 7 ou 5, 5 à 7 pour vendre le produit. Aujourd'hui, elle peut parler à 30 ou 40 prospects en une journée. Ça change sa vie de commercial et on est très content comme ça. Faites du calling. J'ai envie de vous parler ensuite de la Guadeloupe. Donc, moi, j'ai fait plus de 50 startup week-ends et celui de Guadeloupe m'a vraiment donné envie de rester sur place, de créer une entreprise tout de suite. C'est bien moi sur la photo, si vous avez un doute. merci. Les gens là-bas qui pitchaient à la fin du week-end, ils pitchaient Airbnb chez nous, ça n'existe pas parce qu'il y a tel problème qu'ils n'ont pas résolu. Uber, ça n'existe pas parce qu'ils n'ont pas pris en compte l'insularité. Donc on va faire ça, on va monter la boîte. Si ça marche sur Guadeloupe, ça marchera sur toutes les îles de la Caraïbe. Le marché, c'est 220 millions de personnes. Le projet, c'est de revendre aux super géants américains ensuite. Ouais, les jeunes qui sont là-bas, ils m'ont donné envie de rester et de monter des boîtes. C'est vraiment chouette. Donc l'idée, c'est ça, c'est qu'on peut monter des boîtes partout dans le monde. Et il n'y a pas que nous qui le disons. Il y a des boîtes B2C, comme Permettez-moi de construire à Lille, qui sont implantées. Il y a Clever Cloud qui vend du software, qui vend de l'hébergement et qui a des gros clients qui est basé à Nantes. Et dès le premier jour, ils sont allés au Luxembourg et partout dans le monde pour trouver des clients. Il y a Back Market à Bordeaux. Il y a Sigfox qui est installé à la Belge et qui recrute des ingénieurs en télécom près de Toulouse. Ça a du sens. On a pensé à GoJob dans le sud de la France. On a pensé à Une Petite Mousse parce qu'on aime la bière. On est toujours des ch'tis. On a pensé à BrainCube qui est basé à Issoire. Si vous ne connaissez pas Issoire, c'est après Clermont-Ferrand. Si vous ne connaissez pas Clermont-Ferrand, c'est après le TGV. Et là, c'est Ledger qu'on voulait mettre en logo qui s'est installé à Vierzon. Ouais, super cool. Je te rends la zapette pour trouver du capital. Alors du coup, maintenant qu'on a les meilleurs clients, on a une traction, on va pouvoir aller chercher des capitaux. Rapidement, il faut savoir qu'en France, en 2019, les startups, elles ont levé 4,5 milliards d'euros. Ces 4,5 milliards d'euros sur les 20 premiers, sur les 20 plus grosses opérations que vous connaissez, je pense à Doctolib, je pense à Alan, je pense à Miro, évidemment, c'est les 20 plus grosses opérations représentent 1,4 milliard de dollars. Il faut savoir que ce 1,4 milliard de dollars, il est concentré à Paris. Il y a seulement 3 opérations qui se sont faites en région. Le premier, pardon, c'est une MedTech qui développe des médicaments anti-chocs septiques qui est, si je ne dis pas de bêtises, en Saône-et-Loire. Mmh. Le second, c'est Ubi Transport qui fait du transport intelligent, qui a levé, il me semble, 49 millions d'euros. Pareil. Et le troisième, c'est une autre MedTech qui est basée à Lyon, qui, elle, développe des maladies. C'est Alizé Pharma, le fond 3. Et ils ont levé, bref, on s'en fout, c'est pas là. On n'est pas là pour donner des chiffres. Mais le dernier chiffre que je vous donnerai sur les levées de fonds, c'est que sur ces 20 plus grosses opérations, il y a seulement 153 millions pour la région, c'est pas énorme. D'accord ? Évidemment, toutes les boîtes ne sont pas prêtes à lever autant d'argent. La source numéro un d'argent, c'est le réseau. D'accord ? C'est les groupes, c'est les entrepreneurs des années 90 qui ont réussi. Et le groupe dont je voudrais vous parler, c'est un réseau qui s'appelle le Réseau Entreprendre. Ça a été créé à Roubaix à la fin des années 80 par un monsieur qui s'appelait André Mullier, Fildar. Le Réseau Entreprendre, pardon, avait le motto de « pour créer des emplois, créons des employeurs ». Le Réseau Entreprendre, c'est 64 associations qui sont locales et internationales. Ça rassemble 14 000 entrepreneurs et qui font pas mal de prêts d'honneur. Il y a 2 ans, ils ont prêté 26 millions d'euros. Et je crois, Damien, que tu en as Absolument. Eu un. Absolument. Nous sommes lauréats 2018.
Une fois qu'on a réussi à avoir ça, on va aller chercher plus gros et on va aller chercher des fonds en région. Mon ami Adrien de chez Eldorado les a listés, je voudrais vous en parler de trois. Le premier, c'est Finovam, qui a aussi investi chez toi. Ouais. Le second, c'est une boîte que vous connaissez peut-être, un fonds d'investissement que vous connaissez peut-être, New Fund, qui a une branche qui s'appelle NAEH, qui investit en Nouvelle-Aquitaine et dans le Pays Basque. Et le troisième, pour les Pays de Loire, c'est ID, pour investissement, développement des entreprises et de l'emploi. Bien, on a pas mal de fonds régionaux, on peut aller jusqu'au CID, aller lever 500 000, 600 000, 1 million. Mais il y a un moment, évidemment, on doit encore plus grossir. Et là, évidemment, tous les gros fonds, on pense à Alven, pense à Partech, ils sont tous à Paris. On a une invention française, soyons un peu chauvin, qui est assez géniale, qui s'appelle le TGV. Et ce TGV, ici, si je dessine des cercles concentriques autour de Paris, il va déplacer les villes de France à très, très courte distance de Paris. C'est ainsi qu'en une heure, que l'on habite à Lille, à Orléans, à Tours, on peut être très vite à Paris. En deux heures, on peut rallier Lyon, on peut rallier Nantes, on peut rallier Châteauroux aussi. Absolument. Et en trois heures, des villes comme La Rochelle, Clermont-Ferrand, Brest, etc., etc. Alors évidemment, il reste les villes du sud de la France, mais là, nos amis d'Air France à EasyJet ont mis à disposition des lignes assez fréquentes, quasiment quotidiennes en fait, ce qui permet d'aller rencontrer les fonds. C'est ainsi qu'on a de très très belles pépites en région qui ont levé de très gros montants. On pense à OVH, qui est probablement l'un des leaders européens, sinon mondiaux, de l'hébergement, qui a levé 400 millions d'euros, je crois, il y a deux ans, avec JP Morgan Chase. Mmh. On pense à une autre boîte, à Euratechnologie, on en reparlera, dont vous avez peut-être vu l'autocollant sur les devanteurs de magasins, ça s'appelle Criticizer. Criticizer a levé 15 millions d'euros avec un fonds qui s'appelle 83 North, qui, pour ceux dont ça ne parlait pas, est l'ancien nom de Greylock Capital, non, le nouveau nom, pardon, de Greylock Capital. Et enfin, c'est pas Greylock, c'est pas grave. Et enfin, on pense à Sencrop, qui est aussi une boîte de Euratechnologie, qui a levé en série A 1,4 million avec le fonds de Maximilien Bacot. Ils ont fait venir Briga Capital. Et surtout, ils ont réussi à attirer aussi des fonds américains plus tard, des fonds spécialisés dans l'agriculture. Tant qu'on a les clients, on arrive à attirer les investisseurs. C'est vraiment la moto quand on entreprend. Il y a aussi d'autres exemples. On pense à Carnot, qui a levé avec Partech, ou alors le défunt Giroptique, qui a aussi levé avec Partech. On passe crowdfunding. Au recrue. Bon, maintenant qu'on a du capital, qu'on a des clients, qu'on est allé chercher des investisseurs avec nos clients, il faut recruter. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en région, on a des fantastiques universités. Moi, je suis convaincu que la formation, c'est le vivier principal de talent. Caltech, en Californie, ça existait avant la Silicon Valley. Et ce sont des étudiants de Caltech qui n'avaient pas envie d'aller à Chicago pour trouver du travail, qui sont restés sur place. Ils ont créé une société d'ordinateurs, ils ont joué au dé, même à la pièce. Qui met son prénom en premier, c'est Hewlett qui a gagné et c'est Packard qui a perdu. Ils ont monté HP sur le campus au début. Et derrière, la Silicon Valley se construit. On arrive à recruter des talents facilement en région. À Lille, le junior, le développeur junior, il est toujours à 30-32K en salaire en sortie d'école, alors qu'à Paris et à Lyon, l'inflation sur le salaire des développeurs est fortement palpable. C'est aussi chouette de pouvoir recruter une équipe qui reste en place. Donc ça, c'est mon équipe qui est là ici depuis maintenant 2 à 3 ans. C'est chouette de pouvoir recruter des gens qui s'imbibent de la culture d'entreprise quand ils sont jeunes et qui sont encore là 2-3 ans après. On n'a pas un turnover de 30%. On a des clients, nous, à Paris, ils changent toute l'équipe IT, CTO compris, elle se renouvelle en 3 ans. Tous les 3 ans, vous recrutez un nouveau CTO. On n'a pas ça en région parce que les gens, ils ont des projets de vie plus durables. C'est chouette, par exemple, pour Criticizer, parce que le middle management qu'ils ont aujourd'hui, c'est les gens qui étaient dans la boîte il y a 6-7 ans, qui ont pris en expérience et qui sont excellents aujourd'hui. Le second sujet, c'est Internet, encore une fois. Si vous avez utilisé Internet pour aller chercher les clients qui vous correspondaient le mieux, peu importe où ils soient dans le monde, allez chercher les talents qui vous correspondent le mieux, peu importe où ils seront dans le monde. Et ça implique de créer une culture dans votre entreprise, d'avoir une culture d'entreprise qui prend des décisions de manière décentralisée. De toute façon, vous aurez besoin, si vous avez des clients entreprises, d'avoir des commerciaux près de vos clients, donc dans des villes comme Paris, Munich et Londres, et vous aurez de toute façon une culture délocalisée à un moment. Autant le faire dès le début, prenez des décisions décentralisées. Et enfin, si vous voulez attirer des cadres parisiens, sachez qu'il y en a beaucoup qui ont grandi dans votre région, qui sont partis pour étudier dans une métropole et qui ont cherché du travail dans un siège à Paris. Aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'ils sont à Paris, ils ont fait des enfants et ils ont envie de les faire grandir en dehors du périph. Parlez-leur de mon chien, parlez-leur du jardin de Clément. Je pense qu'ils reviendront sans souci. Et enfin, il nous manque les territoires qui accueillent ces entreprises. Il faut savoir que les entrepreneurs étaient là avant les startups et seront là après les startups. D'accord ? Il faut savoir qu'en fait, dans la vie de tous les jours, vous êtes entouré d'entrepreneurs.
Le second artisanat qui embauche le plus derrière la maçonnerie, c'est le coiffeur. Qui peut se prévaloir d'avoir 900 000 clients par jour ? 83 000 coiffeurs, ouais. C'est la même chose avec votre boucher. D'accord ? Il y a même des entrepreneurs dans les villes que personne ne connaît, même pas Jean-Pierre Pernaut. C'est Camini pour ceux qui n'ont pas la ref. Ce sont les agriculteurs. Alors évidemment, ils sont un peu bâchés aujourd'hui. Il y en a malheureusement qui se suicident. Mais les agriculteurs, les exploitants agricoles, ils sont 450 000 en France. Qui peut se prévaloir d'avoir 450 000 entrepreneurs dans son réseau ? On parlait également de transformation du territoire. Je vais vous poser une question. Qui est-ce ici qui vient de Paris, dans cette audience, qui est-ce qui vient de Paris ? Après tout ce que tu as dit, ils n'ont pas envie de lever la main. C'est ça. Une grosse majorité. Si on pense aux transformations du territoire, puisque c'est le sujet de cette conférence, si on vous parle d'une vieille gare qui a été recyclée par un milliardaire en hub pour start-up, on pense évidemment à Station F. Mais il s'avère que dans leur Pas-de-Calais, on fait ça depuis maintenant plus de 10 ans. D'accord ? En 1896 et en 1900, deux entreprises ont ouvert. Ce sont les entreprises Leblanc et Lafond. 80 ans plus tard, avec la chute de l'Empire cotonnier, ces entreprises, elles ont fermé. C'est pour ça que la ville de Lille a décidé en 1996 de racheter le bâtiment, de complètement le rénover et d'en faire aujourd'hui l'un des plus gros hubs numériques. Ça s'appelle Euratechnologie. Incubateur, accélérateur, pépinière. C'est aujourd'hui 800 entreprises, plus de 4000 salariés, avec de très très belles entreprises, comme je l'ai cité tout à l'heure. Deuxième cas d'exemple, deuxième transformation. Est-ce que je peux demander dans l'audience qui est-ce qui est né entre, enfin, du moins avant 95 ? Donc l'immense majorité. Ça va, c'était gentil. c'est vrai, c'est light. Pour ceux qui avaient une dizaine d'années en 95, et pour ceux qui étaient plus vieux, vos mamans ou peut-être vous, avaient eu ceci. Yes, il y a des animations. La Redoute. La Redoute, c'est probablement le plus vieux catalogue par correspondance. Ça existait avant Amazon. Ouais. C'est nordique et le premier document est paru en 1928. Il faut savoir que La Redoute s'est apparue à Roubaix. Et malheureusement, comme vous savez, l'entreprise ne va pas très bien. C'est pour ça que la ville a transformé les locaux de La Redoute en hub pour start-up e-commerce. Ça s'appelle Blanchemaille by Euratechnology. Et on a des pépites comme Dagoma, qui sont les leaders français ou peut-être même européens sur l'imprimante 3D. Absolument. Enfin, on va parler très très rapidement des start-up week-ends. Une fois que vous avez toute cette culture d'entreprise, ce qui est important, c'est de se dire qu'il y a des gens qui ont envie de créer des sociétés, qui ont envie d'entreprendre. Il faut savoir déjà qu'il y a des forces économiques sur le territoire qui sont très fortes. Les CCI, moi je suis impressionné quand je vais à Blois, quand je vais à Châteauroux, de voir la CCI d'Indre-et-Loire avec des fonctionnaires qui sont impliqués auprès des entrepreneurs. L'idée, c'est donc d'animer ça, de faire en sorte que les gens se rencontrent pour qu'ils puissent créer des entreprises ensemble, qu'ils se donnent des raisons d'entreprendre ensemble. Ça, c'est la vocation de Startup Weekend. On réunit des gens qui se connaissent pas sur un week-end, ils montent des boîtes ensemble. Les trois quarts du temps, c'est une mauvaise idée, la boîte, et ils la font pas, je tiens à préciser. Mais les gens, ils se retrouvent ensuite. Moi, avant d'être chef d'entreprise, j'étais en école d'ingé, j'aurais dû finir chez Altran. D'ailleurs, j'ai fait un stage chez Altran. Je suis allé à un Startup Weekend et j'ai vu que monter une boîte, en fait, tout le monde peut le faire, que je pouvais le faire aussi. Et j'étais à Euratech ensuite, j'ai pu bénéficier de l'ensemble des accompagnements qu'il y a sur le territoire. Et aujourd'hui, ça fait, donc après trois échecs répétés, la quatrième boîte et ça fait quatre ans qu'on travaille et qu'on est bien établi. Il y a des très belles boîtes qui sont issues aussi des Startup Weekend. Bon, évidemment, c'est le cas, aux États-Unis, à Columbus, si je ne dis pas de bêtises. Alors, vous l'utilisez rapidement. MyTaxi en Roumanie, les mecs ont inventé Uber en Roumanie sur un Startup Weekend. Ils l'ont vendu à Uber trois ans après pour 11 millions. Fait du business. Et même aujourd'hui, il y a une très belle boîte qui s'appelle Zapier, que vous connaissez tous, qui est issue d'un Startup Weekend. Absolument. On voit aujourd'hui que, en 2020, dès à présent, qu'à partir du moment où... un logo chambre d'industrie, pardon. À partir du moment où on a accès aux clients, à partir du moment où on a accès aux capitaux, à partir du moment où on a accès aux meilleurs recrues, il y a des territoires qui nous accueillent, on peut dire sans hésiter aujourd'hui que nos régions ont du talent. Je vais paraffer le camembert et je vais même dire que nos régions ont des talents. Je m'appelle Clément, je suis le fondateur d'une boîte qui s'appelle Just a Call, qui réinvente le contact center dans Slack. Et lui, c'est Damien. Je m'appelle Damien et donc je suis le fondateur de Wheel of Devs. Si votre entreprise ou si vous connaissez une entreprise qui recrute des développeurs, on va vous aider à les attirer.
On est très actif sur Twitter, excuse-moi. Nos handles sont juste derrière nous. On est ici jusqu'à peu près la fin de journée. Donc si vous voulez venir nous voir et discuter, venez, on ne mord pas. Mes DM sont ouverts. Merci beaucoup. Merci beaucoup.